Isabelle Giordano è la charmante direttore generale di Unisance. Buongiorno, buonasera a tutti. Che bello che parli italiano. Un pochino solo. Ok, che cosa vuol dire essere direttore generale di una delle compagnie più prestigiose della cinematografia mondiale? Vuol dire che si deve parlare di cinema e di cinema francese in diversi paesi. Il mio lavoro è di fare la promozione del cinema francese, che vuol dire di parlare un bello cinema, un po' come il cinema italiano. È un cinema che esiste un po' qua, in Canada, in America e anche in Europa. È un cinema molto creativo. Lo so che non potrei chiedermelo, perché non si può mai chiedere a una mamma qual è il migliore dei suoi figli, sì. Ma il regista francese che lei preferisce come spettatrice, non come direttore generale. Come spettatrice amo molto i giovani. Oggi ho visto Bangan di Eva Hudson, che è una giovane regista, e penso che in Francia abbiamo molti registi come Bertrand Tavernier, Jean-Paul Rapneau, Claude Lelouch, ma abbiamo anche una nuova generazione che è molto molto interessante. Grazie e tutto il meglio per anni e anni di successi francesi con Unifrance. E viva il cinema francese e viva il cinema italiano. Grazie. Grazie, grazie. E lui è il presidente di Unifrance, Jean-Paul Salomé. C'est vraiment un grand honneur de vous interviewer, monsieur. Vous êtes à la tête de l'une des plus grandes compagnies, des importantes compagnies du monde, de la cinématographie. Et alors, est-ce qu'on va parler de votre la belle compagnie que moi je connais depuis toujours? Unifrance est l'organisme chargé de la promotion du cinéma français à l'international, aussi bien dans les festivals, la représentation comme ici à Toronto, Cannes, Venise, Berlin, que de soutenir le cinéma français pour les sorties commerciales des films quand ils sortent dans d'autres pays du monde. Donc voilà, c'est un mélange entre les festivals et les sorties commerciales, et c'est un soutien à l'exportation du cinéma français. Et on peut être un tout petit peu méchant. Alors, où les films français marchent mieux? Et dans quel festival? Cannes, c'est français, ça joue dans la maison. Et après, Berlin, Toronto, Montréal, c'est très petit maintenant. L'Amérique latine. Il y a Venise où un film français, L'Hermine, vient d'avoir deux prix hier, oui, avec Fabrice Luchini pour le prix d'interprétation masculine. Et le prix du meilleur scénario aussi. Oui. Et l'Amérique latine, il y a un très beau festival, Mar del Plata, qui est l'unique des séries A. Oui. Et c'est vraiment très bien. Comment ça marche le film français en Amérique latine? Bah, le cinéma français a cette chance d'avoir une vivacité, une variété de films à proposer, parce qu'on a la chance de produire plus de 250 films par an. Et c'est vrai qu'à l'intérieur de ces 250 films, il y a forcément des films qui sont très réussis et qui vont dans des festivals, comme vous venez de dire, à Cannes ou à Malder, en Amérique latine, pardon. Et c'est important parce que le public à l'étranger aime la variété du cinéma français, parce que je pense que le cinéma français présente souvent un autre regard ou traite d'autres thèmes que ce que font les autres cinémas dans le monde. Merci bien, je vous souhaite tout le mieux et vive les cinémas français, vive Unifrance. Merci à vous.